Vous vous intéressez à une caméra vlogging pas chère car vous avez besoin d'une caméra sans prise de tête, facile à transporter et surtout avec une bonne qualité audiovisuelle pour filmer les meilleurs moments de votre lifestyle. À préciser que nous les avons toutes sélectionnées pour les meilleurs rapports qui ont été pris, comme ça vous êtes certain de faire une bonne affaire. C'est pourquoi nous avons préparé un top 3 des meilleures caméras vlogging pas chères et c'est parti, on y va, let's go! Donc pour ce top 3, il faut savoir qu'on va être sur une caméra vlogging pour YouTube du coup et une caméra de vlogging de manière générale pas chère. Donc pour ce top 3, il faut savoir qu'on est sur une caméra vlogging pas chère. Elle a un format un peu spécial, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de design, mais ça marche super bien en tout cas pour faire les vlogging et c'est pourquoi je vous le recommande. Donc c'est la DJI Pocket Caméra 4K à stabilisation 3 axes, vlog, vidéo, ultra HD, photo haute résolution, 64 mégapixels, 1 divisé par 1.5. 7 pouces, Cosmos, HDR, réduction de bruit, timelapse, slow motion, x8, zoom, live streaming et de couleur black. Alors celle-ci, cette caméra, elle est vraiment super bien, en particulier pour les vlogs, c'est pourquoi je vous la recommande. Elle a un design un peu spécial, mais elle est vraiment super bien. Alors je vous détaille tout dans un instant. Donc déjà, juste pour continuer, il faut savoir que déjà au niveau des notations, donc c'est noté 4,5 étoiles sur 5 pour plus de 1419 évaluations, ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est même irréprochable au niveau des évaluations, c'est beaucoup de personnes qui ont testé, qui ont dit que c'était super, donc ça vaut vraiment le coup. Et surtout, il y a le badge Amazon Choice, donc ça c'est vraiment cool. Ça veut dire vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, la notation est juste parfaite pour cette caméra. Vous allez être très content. Et c'est fait quasiment exprès pour faire des vlogs, donc je vous raconte tout. Donc, sinon au niveau du prix, on est à 369 €, ce qui est la caméra moins chère que je vous propose aujourd'hui. Et il faut savoir que pour un setup, hein, vraiment, je vous dis, une caméra normalement, surtout vlogging, moi je vous dis, je suis moi-même youtubeur. Au niveau de mon setup, sachez que le setup, donc du coup c'est la caméra plus l'objectif et tout ce qui va avec, moi ça coûte à peu près 3 000 €, ce que j'ai comme setup, parce que voilà, je suis un youtubeur un peu avancé, parce que j'en vis pleinement du coup de ce que je fais. Il faut savoir que 369 € pour une caméra, c'est vraiment pas cher, surtout pour la qualité que vous avez derrière, et ça vaut vraiment le coup. Et moi-même, si je devais redébuter là, recommencer et racheter tout mon matériel, je crois que je m'embêterais même pas à racheter tout un setup que j'ai à 3 000 €, un truc énorme avec des objectifs pas possible. Je crois que je me remettrai à des vidéos, enfin des caméras très simples comme celle-ci, la DJI Pocket, ou comme le top 2 ou le top 1 que vous allez voir dans un instant. Donc c'est vraiment pour vous dire, au niveau du prix, c'est pas cher du tout. Vraiment, pour la qualité que vous allez avoir derrière, c'est professionnel, c'est qualité complètement suffisante pour faire des vlogs si vous voulez publier ça après sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Ça cartonne. Donc voilà tout. Sinon, donc si je dois vous faire une description technique, comme dans mon habitude, je fais exprès de le faire pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc sachez que c'est une pocket size DJI Pocket 2 qui tient parfaitement dans votre main, sac ou poche, et que vous puissiez l'emporter n'importe où. Lorsque votre voyage commence ou que quelque chose attire soudainement votre attention, vous pouvez dégainer la Pocket 2 et être prêt à tout capturer. Une stabilisation motorisée, donc cadran à 3 axes qui stabilise la caméra pour une vidéo fluide en déplacement. Cette technologie est également idéale pour les photos créatives comme les prises de vue à longue exposition à main levée. Également, sachez qu'il y a l'Active Track 3.0 et ça c'est vraiment un truc de malade. Donc il faut savoir, je vous explique ce que c'est l'Active Track. Il faut savoir que DJI à la base c'est une marque de drones, hein. Ils se sont vraiment fait connaître avec les drones qu'ils faisaient. Je possède moi-même le DJI Mavic Pro 2, pour ceux qui connaissent, bon, c'est un super drone. Et il y a la fonction Active Track. Qu'est-ce que c'est la fonction Active Track? C'est qu'ils vont fixer un sujet, donc ça va être ou soit un visage, ou soit un objet, ou soit une personne de manière générale. Et c'est génial parce que la caméra va pouvoir bouger elle-même toute seule. Et ça c'est juste génial parce que vous pouvez faire des plans de malade avec une qualité, mais vraiment une qualité de mouvement digne des grands films cinématographiques. Avec le drone, ça cartonne, et avec la DJI du coup Pocket 2, je vais vous dire que ça cartonne. En plus, il y a l'axe à 3 stabilisations, donc ça donne vraiment des super plans. Et ça, c'est un grand avantage, pourquoi je le recommande du coup, surtout pour les vidéos vlog, l'Active Track 3.0, si vous savez vous en servir, et c'est pas si compliqué, je peux vous dire que vous allez faire des plans juste de malade. Sinon, sachez qu'il a un éditeur AI, donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop pour le montage vidéo, que vous voulez faire ça assez rapidement, sachez que l'AI éditeur combine automatiquement vos clips avec des transitions de la musique et pour créer des contenus dignes d'être partagés, mais très rapidement. Il y a également une qualité d'image donc très intéressante. Ils disent qu'ils ont emballé la caméra DJI Pocket 2 avec des capacités photo et vidéo qui vous permettent de créer un contenu digne d'être partagé et de faire durer les mouvements
les moments pour toujours, capteur 1 divisé par 1,7 pouces, également photo, eh bien 64 mégapixels, vidéo 4K, 60 fps, autofocus hybride 2.0. Il y a également DJI Matrice Stéréo, donc c'est technologie DJI Matrice Stéréo qui enregistre l'audio avec tellement de détails réels qu'elle vous permet eh bien, de revivre la scène. Et enfin, eh bien, au niveau du type d'objectif, sachez que c'est objectif fisheye, type d'exploitation requis iOS 11.0 ou ultérieur, Android 7.0 ou ultérieur. Ensuite, on passe maintenant au top 2 qui est le Sony RX103, appareil photo expert premium compact, capteur de type 1.0, optique 24-70mm, ouverture 1.8-2.8S, écran inclinable pour vlog. Celle-ci aussi, c'est une excellente caméra. Donc il faut savoir, pour les caméras vlog, alors l'idéal c'est aussi d'avoir un écran flippable. Et là, c'est le cas du coup de cet appareil photo vidéo numérique qui est vraiment juste excellent, avec une qualité vraiment juste excellente. Pour les vidéos YouTube, c'est à peu près la même qualité, quoi. Vous avez une très très bonne qualité. Et il y a surtout l'écran inclinable qui vous permet en fait de vous voir en retour. Et ça, c'est super important quand vous faites des vlogs, parce que vous avez besoin d'avoir toujours l'angle qui est bien, vous voulez avoir un contrôle dessus. Et ça facilite grandement la chose, parce que si vous avez une caméra sans écran inclinable, je peux vous dire, c'est l'enfer pour vloguer. Si vous filmez tout seul et tout, c'est pas forcément l'idéal. Bref, et donc du coup, il faut savoir au niveau de sa notation, une très très bonne notation pour ce top 2, du coup, donc la Sony RX103. Donc il faut savoir qu'on est à 4,5 étoiles sur 5 pour plus de 862 évaluations. Donc c'est vraiment très 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 bien au niveau de la notation. Je peux vous dire que c'est juste génial. Au niveau des prix, en plus de cela, sachez qu'on est normalement à 500€ et vous pouvez l'avoir à 449€, donc soit 49€ d'économie. Et pour ce faire, si vous voulez accéder à cette opportunité en particulier, il faudra cliquer sur le deuxième lien dans la description du coup de cette vidéo YouTube pour accéder à cette opportunité. Donc je vous recommande de le faire. Ça vous permet tout simplement d'économiser 50€, donc c'est toujours ça de prix. Sinon, au niveau des caractéristiques techniques, donc comme à mon habitude, eh bien je vais vous les détailler. Donc sachez qu'il y a une qualité d'image à couper le souffle, capteur CMOS XMORE RS, eh bien empilé de type 1.0 pour une résolution de 20,1 mégapixels et doté de la technologie rétroéclairage pour atteindre eh bien une large couverture de sensibilité, idéal pour les vidéastes, stabilisation d'image et écran inclinable selfie pour créer eh bien vos vlogs, capturer les moments décisifs, viseur électronique OLED True Finder intégré pour un confort de prise en main apprécié de tous les photographes avertis. Également, partagez vos créations, diffusez vos contenus depuis vos appareils mobiles facilement grâce à l'application Imaging Edge Mobile, donc en Wi-Fi. Également, sachez que c'est dans le cadre, cadrer facilement eh bien, vos sujets sous différents angles de vue grâce à l'écran orientable. Donc voilà tout en tout cas pour celui-ci. Si je dois simplement donner un petit défaut, il faut savoir que les caméras Sony, parce que je suis moi-même vidéaste, je connais pas mal le matériel, Sony, ça a la réputation d'avoir des batteries qui sont pas très puissantes. Donc il faudra savoir que surtout pour un petit appareil comme ça, mais vous quand même prendre une batterie à côté, c'est ce que je vous recommande en tout cas. Mais la qualité, elle est vraiment top pour le Sony RX103. C'est juste excellent. De manière, les appareils Sony, c'est les meilleures caméras que vous pourrez avoir, tout comme les caméras Canon et les caméras Panasonic. C'est vraiment les trois meilleures. Si vous voulez une caméra, surtout une caméra numérique comme ça, les Sony, c'est vraiment le top. Mais comme j'ai dit précédemment, au niveau de la batterie, je vous recommande d'avoir quand même une batterie supplémentaire, parce que les caméras Sony, au niveau de tout simplement l'autonomie, parfois ça s'utilise rapidement, c'est-à-dire en une heure, eh bien, vous n'avez plus de batterie quasiment. Ça, je sais que ça existe en tout cas, et ça peut être un peu embêtant, et c'est toujours bien d'avoir une batterie supplémentaire, parce que si vous avez tout préparé et qu'au final vous êtes en train de tourner et que vous n'avez plus de batterie pour faire la suite de votre journée, c'est un peu dommage, surtout quand vous vloguez. Je vous recommande d'avoir une batterie supplémentaire, surtout pour cette caméra Sony. Voilà tout. Et enfin, on arrive au top 1, et celui-ci, alors c'est vraiment le nec le plus ultra, je l'ai moi-même possédé, ça a été l'une de mes caméras préférées, et c'est un setup qui coûte pas très cher et idéal vraiment pour faire des vlogs, c'est le Canon PowerShoot G7X Mark II, appareil photo numérique compact noir. Et je peux vous dire, cette caméra, c'est un bijou technologique. Dès que vous l'avez dans les mains, vous sentez la finition et la qualité est tellement bien. C'est vraiment une super caméra très complète, avec une super qualité, les couleurs sont magnifiques, l'autofocus marche super bien pour traquer. Et il y a également au niveau de l'angle, il faut savoir que ça prend pas mal d'informations, c'est un grand angle, donc ça veut dire que vous allez être proche de votre caméra, vous allez voir tout votre visage. Enfin, comment expliquer? C'est le principe des grands angles. Sachez que c'est un grand angle, c'est pas une caméra normale, ça prend vraiment beaucoup beaucoup d'espace autour de vous, et c'est juste dosé comme il faut, et je suis vraiment fan de cette caméra, c'est juste parfaite. Cette caméra est vraiment géniale. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je vous le recommande fortement, parce que pour moi c'est la meilleure caméra vlog dans les alentours de plutôt budget pas très cher.
Du coup, parce que je vous avais dit déjà précédemment, moi j'ai un setup qui coûte 3 000 euros à peu près. Bah là, vous avez pour 500 euros, donc avec la réduction, du coup normalement 629 euros, vous avez la réduction à 509 euros, soit 120 euros d'économie si vous cliquez sur le troisième lien dans la description de cette même vidéo YouTube pour accéder à la bonne référence. Bah, je peux vous dire que vous avez vraiment du super matos pour pas très cher. Et là, c'est vraiment avec le Canon G7X. Si vous regardez tous les youtubeurs, ils le recommandent. C'est un super appareil photo et vous pouvez faire plein de choses avec et la qualité est juste incroyable. Donc sinon, si je dois vous détailler du coup au niveau tout simplement des détails techniques, alors, non seulement sachez également que c'est également très très facile à prendre en main. C'est vraiment la meilleure des caméras. Hein. Si vous voulez du vlog sans vous prendre la tête, génial. Le Canon G7X, vous l'entendre dans le ton de ma voix, c'est vraiment une super caméra. Bref. Donc du coup, sinon, si je dois donner les détails techniques, donc du coup pour que ce soit clair pour tout le monde, sachez qu'au niveau du modèle, donc c'est PowerShoot G7X Mark II noir, type de carte mémoire SD, SDHC, SDXC, compatible avec la classe de vitesse UHS1, grand capteur pour les résultats de haute qualité, grande ouverture sur toute la plage focale, contrôle de l'ouverture, de l'obturation et de la sensibilité ISO pour les vidéos, des photos et des vidéos stables en toutes circonstances, accès amplifié aux fonctions Wi-Fi, zoom optique 4,2x, grand angle, batterie 3.6V, 1250 mAh mini ampères par heure et également Li-ion rechargeable. Donc vraiment, c'est pour tout vous dire, hein, ce caméra est bien. Au niveau de la batterie, d'expérience, je vous dirais que la batterie dure entre 1h30 à 2h. Voilà, c'est si vous filmez en continu, donc c'est pas mal. C'est plus que le précédent, me semble-t-il, en tout cas la caméra Sony. Là, pour cet appareil Canon, si vous pouvez prendre une batterie supplémentaire, ce serait mieux. Mais sinon, je peux vous dire, c'est quand même OK. Ça va, si vous êtes débutant, vous ne faites pas encore des vidéos trop longues, ça fonctionne. Moi, j'ai déjà fait des journées entières. Je filmais avec le Canon G7X, donc je me filme en face caméra, je filmais également le décor et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que je mettais souvent mon appareil en pause. Enfin, pour une journée entière, ça marche quand même, hein, au niveau de la batterie, au niveau de l'autonomie. Si vous éteignez de temps en temps, si vous filmez pas tout le temps en continu, ça marche. Et donc voilà. Mais cet appareil est vraiment top, avec l'écran flippable, il est vraiment top. Il faut savoir également qu'il y a le Mark III qui est sorti il y a pas longtemps. Est-ce que je recommande? Non. Je vous recommande beaucoup plus d'aller vers le Mark II. Et vous pourrez regarder les différents avis. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le Mark II serait meilleur que le Mark III au niveau du Canon G7X, au niveau de la finition et la qualité d'image. C'est surprenant d'ailleurs parce que le Mark III est sorti après, mais c'est toujours le Mark II qui est toujours l'appareil vraiment par excellence du coup pour les caméras vlogging, donc que je vous recommande fortement. Vraiment, cet appareil est juste excellent, il est magnifique. Je vous recommande fortement en tout cas voilà pour ce top 1 du coup. Donc voilà tout en tout cas pour ce top 3 sur les meilleures caméras vlogging pas chères, voilà, du moment, et bien en espérant que vous auriez aimé, et bien enfin que vous aurez aimé cette vidéo et que ça vous aura aidé à faire tout simplement votre choix au niveau des différentes caméras. Voilà, tout simplement parce que faut acheter du setup et bien faut faire des bons investissements, et je peux vous dire les trois que je vous ai proposés aujourd'hui, elles sont vraiment top. Donc en espérant en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à faire votre choix. Si on vous a aidé, en tout cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter cette vidéo, ça vous fait toujours plaisir, ça nous permet de savoir que nos vidéos sont tout simplement utiles. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous fera très plaisir. Et sur ce, et bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis au revoir. Salut.